Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de MDJ Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a marqué Internet. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Juan Roya Borja, plus connu sous le nom de El Risitas, le fou rire, est né à Séville, en Espagne, le 5 avril 1956. Humoriste à la télévision espagnole depuis l'an 2000 et acteur en 2005 dans un film appelé Torrente 13, El Protector, il est surtout connu pour son rire singulier et communicatif. C'est en 2015 que El Risitas devient un phénomène sur Internet. En juin 2007, dans une émission présentée par Jesús Cuentero, El Risitas raconte une expérience qu'il a eue à base de poêle à paella perdue dans la mer. L'émission est massivement détournée, généralement pour ironiser sur des absurdités politiques, technologiques ou sociétales. Mais Risitas souffre de diabète et ses problèmes cardiovasculaires s'aggravent. En septembre 2020, il doit subir l'amputation de sa jambe gauche. En janvier 2021, le quotidien espagnol Marca publie un article sur l'état de santé et la précarité financière de Risitas. Le forum 1825 de jeuxvideo.com, qui a énormément contribué à diffuser le mème sur Internet, organise une cagnotte Litchi pour lui venir en aide. 14 063 euros sont collectés. 2 000 euros serviront à acheter un fauteuil électrique à Risitas. Le 4 mars, une vidéo est publiée. On y voit Risitas remercier le forum avec le fauteuil électrique. 5 000 euros de la cagnotte seront offerts à l'hôpital de la Charité de Séville où est hospitalisé Risitas. Malheureusement, l'état de santé de Risitas continue de s'aggraver. Il décédera le 28 avril 2021 à 65 ans à Séville, la ville qu'il a vu naître. Laissant derrière lui l'histoire de son rire, histoire que de nombreuses personnes veulent faire perdurer. Mais n'oubliez pas, le plus important pour une histoire, c'est qu'elle nous fasse rêver. À bientôt.